Ouais, j'ai hâte de pouvoir faire une sieste. Putain, j'ai oublié son nom à lui. Lui aussi. Dans le prochain générique, je vous dis qui est qui dans la série. On va faire ça. Et là, je vais encore refaire une run. Ou deux. Ou trois. Ou quatre. Enfin, je vais encore refaire des runs, quoi. L'avantage, c'est que c'est un jeu qui est quand même pas chiant à runner, donc c'est moins gênant, c'est pas trop gênant d'enchaîner les runs vu que ça se fait assez vite. Donc ça sert à tout. Pas sûr d'avoir réussi non plus. Effectivement, bon, est-ce que. Hop, elle compte pas. Elle compte pas, on la relance. L'auto-attaque, faut pas la faire trop tôt, faut pas la faire trop tard. Oui, c'est un glitch qui fait ça. En gros, il y a quelques frames quand on lance une attaque. Donc la hitbox de l'attaque est active. Si on fait pause et qu'on change de personnage, on garde la hitbox de l'attaque. Les 4 secondes. Et notamment fast kill. Pas que mais entre autres. Mon auto-attaque quoi. Et voilà. Et voilà un petit gold. Techniquement, on peut choisir l'ordre des niveaux. C'est parti. Pour la première fois de la journée, je suis en avance. Pour la première fois de la journée, je suis en avance. Ah, c'était bien vu que j'avais peur.
Wow. Tout ça d'avance. Je fasse de la merde là du coup avec tout ça d'avance. Totalement. Totalement, cet enchaînement infini de gold. Et pourtant, c'est pas une bonne run, hein. Ce méga enchaînement de gold, tu veux dire? Ouais, t'es mort, il est cassé ou quoi? Bon, l'enchaînement de gold est fini, mais c'est pas très grave. Thank you.
toujours de l'avance. J'ai raté sur toutes les runes ce truc là. Wow. Tout ça, c'est sûr. Je demande à compter les voix parce que là. Merde, putain! Ah, je pouvais pas être tout le temps bon. On va aller prendre la clochette quand même. Par contre, on va expliquer là pour le. On va voir pourquoi j'en ai pris un de trop. Ah, totalement. Là, il y a du potentiel de PV.
Merde. Pibi! Petit, mais Pibi! Tout petit, mais Pibi! Mine de rien! Donc! Ah, mais j'arrive plus à me souvenir du nom du toutou! Merci, merci! Donc elle, c'est la princesse, qui est un des rares personnages du dessin animé à avoir un cerveau. J'ai oublié son nom. Oh là là, eh non, mais j'ai... de ses mauvaises mémoires. Là, c'est Lucille, hein. Là, c'est le gamin qui dit des conneries avec sa mère pendant les phases où les chats volent. Ça, sa mère. Donc, ils sont en train de dire des conneries. J'ai pas la trame, mais à mon avis, ils sont en train de dire des vacheries. C'est comme ça que ça se passe normalement. Donc là c'est Francine. C'est elle qui gère la pizzeria pendant que nos chats ne sont pas là. Et c'est tout foutu flamme. Ou Speedy. En ayant les deux dans le générique français, il l'appelle Speedy et tout foutu flamme. Elle c'est Polyester. Ouais c'est l'âge. Je me souviens toujours pas de son nom. Lui c'est Guidon, j'ai jamais pu le blairer. Français il l'appelle Tête dans le Guidon. Alors lui c'est Ah je me souviens plus, c'est pas du crochet, non c'est. Alors lui c'est du sournois hein. Ou Seymour Siege, chez moi, Seymour Cheese. Lui c'est du crochu. Non mais c'est des Cathy et donc l'autre était du crochu, voilà. Là, le vieux avec les gros sourcils, c'est des Cathy. Lui c'est Caton, hein, général Caton. La princesse, alors si vous savez lire les hiragana, normalement vous pouvez lire leur nom. Hein. Alors lui il me semble que c'est mieux de tout, mais je retrouve pas du tout son nom français. Donc la Francine, hein, on l'a déjà vu, bordel. Je sais pas comment ils l'ont appelé en VO. Batcha, qui a l'air très snob d'ailleurs. Lucille, hein, avec ses missiles dans les cheveux quand elle est un peu trop émotive. Super chat, qui est le seul à aimer l'eau. C'est pas net ce chat. J'ai jamais connu le nom de ce personnage ni de celui-là. Hein. Ah, mais... Alors lui, pareil, je vous avouerai que j'ai que la première saison en DVD. J'ai jamais trouvé la deuxième. Et donc, du coup, j'ai pas pu voir la partie où ils ont des mechas parce que à la fin. Nos chats, ils ont des mechas. Et ils font carrément dans la mecha géante. Et ça, c'est kiffant. Et voilà. Et c'était la fin. Bah, du coup, on va refaire un. On va faire une petite run.